Bye les amis, et Lilu, un nouveau vlog, bien sûr, à liker et vous avez une nouvelle vidéo. Au milieu de vidéo, regardez, il y a ma nouvelle téloche. Voilà, il y a ma nouvelle télé qui, bah voilà, je l'aurai jusqu'à mon compte de 18 ans. Elle est vraiment classe. Genre, il y a une vidéo que je vous expliquerai un petit peu, c'est vous qui l'étiez qu'elle aura. Bah, je vous expliquerai dans une vidéo, je sais pas quand, peut-être en une ou deux semaines, peut-être dans deux semaines, je vous expliquerai la fonction de vraiment beaucoup de fonctionnalités à cette téloche. Mais je vous la conseille. Ça fait ça au plaisir en début de vidéo. Ok, mes amis, on va parler vraiment d'aujourd'hui de news de farming. On est parti pour voir, on va regarder la première gameplay de Farming Simulator 22 avec beaucoup de nouveaux détails. Oula, déjà, voilà, rien que ça déjà, ça annonce du positif ou du négatif? Moi, je pense que ça annonce du positif. Avec vous, regardez la fin com, en direct, vous avez assisté à la première gameplay de Farming Simulator 22. Moi, j'ai suivi. Hein, il y aura pas que ça, mais la suite, ça sera demain. Ah merde, demain. Ah, c'est demain. Ne vous inquiétez pas, si vous l'avez pas fait, vous pouvez regarder les premières scènes du jeu dans les vidéos ci-dessous. Ok. Donc, on regardera pas les vidéos. Hein. Ces vidéos, ils durent 15 minutes. Hein. Donc, ça fait une demi-heure parce qu'elles sont en deux parties. Donc, en plus, c'est une demi-heure. Donc, il y aura la partie 1 et la partie 2. Voilà. Ça sera vraiment expliqué. Donc, ça sera vraiment les deux trucs de gameplay. Ok. Et en plus, il y a encore pas mal de choses. Donc, ça, on regardera ça, je vous mettrai. Je mettais vraiment le lien, mais vraiment je vous suis. D'ailleurs, je mettrai le lien de la dernière vidéo. Vous n'hésitez pas à cliquer la vidéo news de la dernière vidéo. Hein. Ken Burgess, responsable de l'assurance qualité. C'est-à-dire que c'est celui qui doit traiter la qualité. Et Stephen Marius, les développeurs de gameplay de Gen Software. Jetez un coup d'œil à des nouveaux détails intéressants que vous trouvez dans Farming Simulator 22. La plupart d'entre eux n'ont pas été annoncés auparavant, alors ne manquez pas. Donc on va vraiment tout lire. Donc là c'est la stabilisation. Ou d'ailleurs ce sera celle-ci qui sera en miniature d'ailleurs. Donc vous avez mélangeuse. Vous avez vraiment les vaches. Peut-être vraiment plus réaliste. Mais c'est vrai qu'il paraît qu'il bouge, il court. On va peut-être voir ça un petit peu. Non mais je crois que c'est la vidéo du vendredi, je confonds. Ouais, c'est du jeudi, mais on n'a pas vraiment vu parce que nous on avait plus ce gameplay. On devait le voir en plus. Et nous on avait aussi la même journée, je vous le dis, ce sera la vidéo de demain. La production de chaîne. Voilà. Ok, donc avec les vaches, tout ça, donc là c'est une stabilisation hein, évidemment. Ken et Stéphane, vous donnez un aperçu de nouveaux feuillages, des cultures régènes dynamiquement au vent et des effets particuliers améliorés et d'autres nouvelles caractéristiques et améliorations. Vous trouvez ci-dessous de courtes résumés de deux vidéos de gameplay, mais si vous voulez en savoir plus, regardez les vidéos. Donc, voilà, je vous conseille de regarder la vidéo. Alors, les vidéos, vous les conseillez ou pas, c'est vous vraiment qui allez. Je mettrai vraiment le lien d'article. Vraiment, j'oublie pas d'ailleurs, je mettrai le lien d'article des deux dernières vidéos. Voilà. Vraiment, vous descendrez un petit peu. D'ailleurs, ça sera le même site que moi. Ils vont descendre un petit peu, que ce soit sur la partie 1, partie 2, vous voulez voir vraiment ce que vous voulez voir. Ok. Voilà. Donc là, on va lire un petit peu leur dessous. Regardez la première gameplay en direct. On va pas regarder, ça vous regarde de mon côté. Ou si vous voulez pas regarder, bah c'est pas. Si vous avez déjà suivi la forum comme ça, sert à rien de la regarder. Hein. En vedette de la première partie, amélioration du feuillage et des réactions dynamiques du vent sur les cultures, les paraxales, auction mapping et effets sur les textures du sol. D'ailleurs, on avait fait une vidéo, hein, on le rappelle. On a fait une vidéo news. Hein. D'ailleurs, il y a une playlist des vidéos news de Farming Simulator 22 news. N'hésitez pas à les regarder. Et ça sera dans cette vidéo, ça sera là-dedans. Nouvelle marque Continental. Ok, on a une nouvelle marque. Par exemple, j'avais vu, mais je me rappelle même plus. Ok, je vous le dis. Une fonctionnalité contrôle automatique de l'inclinaison et de la hauteur de l'entête. Et une nouvelle fonctionnalité changement des vitesses manuelles. Ouais, parce que maintenant, voilà, vous avez le choix entre automatique. Et d'ailleurs, il y a une très bonne nouvelle. Je ne sais pas s'ils l'ont dit. Non, ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Mais d'ailleurs, vous avez parce que avec les volants G27, G29. Peut-être des G, je sais plus quoi, il y a G920, je sais plus trop, mais je crois que oui. Vous pouvez passer avec les vitesses manuelles aussi. Et voilà, avec vos vitesses à propre à vous. Je sais pas, sinon avec les palettes, est-ce qu'on peut le faire? On verra, est-ce qu'on peut faire avec les palettes. Émulation, animation et des sons améliorés et plus encore. Okay. On va parler de la deuxième partie. On va dire dans la deuxième partie des nouvelles textures du sol pour divers outils de travail de sol. Ok, ça je l'avais vu. Hein. Et leur effet sur le gameplay, le Ktax Derion Cell Track, les nouvelles étables pour Radolf Homer, Rolf Orman, amélioration de l'application du lisier. Ok, donc on a le lisier. Et plus encore. Voilà. Et là, vous avez
Le second tour, voilà. Donc là, la TH, voilà. La TH, franchement, est vraiment le jeu sur une plus réaliste avec de plus de couleurs, tout ça. Là, je vais un peu vous expliquer les fonctionnalités qu'il y aura. Donc là, vous avez le soleil. Là, vous avez le mode saison. Donc là, on est en août. C'est auguste en anglais. Hein, et nous, je vous conversais en français, c'est août. Du coup, regarde, tout l'a dit, mais moi, je savais que c'était août. Moi, je sais un peu l'anglais. Je commençais comme un peu l'anglais, hein, quand même. Donc là, vous avez la pendule en 15h43. Et pareil, je crois que ça va s'attendre encore une fois 120. Je n'en sais rien. Je sais pas si on va aller plus haut ou pas. À voir, mais je crois. Mais on a encore pas de confirmation, du coup, si on va vraiment plus que 120. Mais je crois que oui. Mais pas peur, YouTubeurs l'ont dit. On verra bien. On verra très bien le. Peut-être qu'ils vont pas le dire, on verra très bien le jour de sa sortie. Et vous avez l'argent ici. Voilà, il y a écrit 95 210 160. Ici, vous avez le contour franchement plus propre. Hein, comparé, c'est le même que le 19, mais c'est vrai qu'il y a plus de couleurs. Voilà. En plus, c'est du bleu. L'insigne en ATH, c'est du bleu. C'est vrai que le bleu, ça change. Le bleu, ça change avec le copain au blanc. Bah, c'est comme à chaque fois, c'est vrai que c'est bien que ça change, mais je crois que le blanc, on avait eu à l'époque aussi. On avait eu sur FS15. Voilà. Avec le bleu, tout ça. Et bon voilà, après vous avez encore la clé, donc la réparation de temps en temps, vous avez l'essence. Ici bah, vous avez le bah c'est la trémie. Donc combien vous avez, donc là dans la trémie par exemple il y a 6739, donc 71% de la capacité de la trémie. Donc c'est une trémie qui doit, je sais pas, doit être une trémie de 8000. Bon, je pense une trémie plutôt de 8000, hein. 7500, 8000, hein. Pas plus. Et aussi ici voilà, nouvelle fonctionnalité, vous avez donc là c'est mode automatique, donc la D c'est pour avancer. N, bah, c'est neutre, bah, c'est le point, on va dire le point mort, hein, donc, ça n'avance pas. Et R, c'est pour reculer. Et ici, il y a une boîte manuelle, je crois que vous aurez le choix. Hein. Vous aurez le choix entre la boîte automatique ou la boîte manuelle. Je sais pas que nous, parce que est-ce qu'on peut passer contre les palettes? Je vais jouer vraiment qu'aux boîtes test manuelles. Je vous le dis, la plupart des jeux, je joue manuel, bah, à part Bus Simulator, je joue pas manuel, je joue en automatique parce qu'il y a que automatique, mais Euro Truck, je joue vraiment qu'avec les palettes. Est-ce qu'on pourrait jouer vraiment avec les palettes? Ça serait trop bien si on faisait avec les palettes, avec pas que les vitesses mais que les palettes. C'est vraiment réaliste parce que c'est vrai que ça serait quand même plus réaliste. Bah bon, pour aller, je sais pas, mais vraiment passer avec les palettes. Moi j'aimerais bien vraiment que ça soit, on peut vraiment avec les palettes, je sais configurer avancer ou passer. Non, mais c'est passer les rapports suivants, rapport inférieur. On sait que mon supérieur c'était de 1 à 2 et rapport inférieur c'est de 2 à 1. Voilà, c'est ça ce que je vais vous dire. Mais je pense qu'on aura le choix, mais je sais pas si c'est marché avec les palettes, ils ne l'ont pas confirmé. C'est marché avec un levier. Donc ça marche vraiment avec un levier. Et reste à l'écoute, il y a du plus. Si vous regardez la forme comme en direct sur Twitch, vous pouvez également plus d'informations sur la chaîne de production et encore plus de gameplay en direct. Nous suivons ça très bientôt notre blog, la chaîne sur le site de farming. Et vous utilisez encore plus d'impressions et plus de présentations de la FarmCon des chaînes de production. Bien sûr, vous n'avez toujours pas terminé après cela. Nous avons encore dévoilé encore plus de fonctionnalités et d'améliorations à venir pour affirmer 722 et ça les coupe pour savoir plus. FarmCon continue demain. Alors, la FarmCon ne continue pas demain parce que c'est fini. Là, on fait vraiment un résumé. Ok? Et voilà. Et après, et puis là, voilà, c'est tout à la bonus sur la fin de vidéo. Précommandez maintenant pour obtenir votre bonus. Donc, Farming 22 sortira le 22 novembre sur PC, Mac, PS5, Xbox Series S, X et Xbox Series S, PS4, Xbox One et Ghost Stadia. On est directement pour ça le pack Casarion Handcraft. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc. À chaque fin de vidéo, ça sera résumé. Ça sera dit à chaque fin de vidéo. Bah voilà, au moins, ce sera votre bonus. Voilà. Allez, amis, j'espère que vous aura plu. Merci pour la présentation. Il y a un petit pouce bleu. À ce niveau-là, ça me fait une minute. Mais c'est vrai que la vidéo était plus courte et demain on parlera des chaînes productives, donc demain ça sera à partir de midi 1 la vidéo. Passez une bonne soirée. Peace!